Allô, allô, bonjour la familia, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super bien. Hello la familia, hope you're all doing well. Today, I'll be showing you how I clean my glass stove. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie ma plaque de cuisson en verre. C'est très simple. On aura besoin du citron, de la bicarbonate de soude et du savon vaisselle. We're gonna need some lemon, some liquid soap and baking soda. I have a bowl. I've just added some water. Je viens d'ajouter un peu d'eau dans un récipient. Je rajoute du bicarbonate de soude. I just added some baking soda and I'm gonna mix. Je viens d'ajouter du bicarbonate de soude et je mélange le tout. Je vais rajouter du jus de citron. I'm gonna add some lemon juice. If you have vinegar, add vinegar instead. I sometimes add vinegar. Si vous avez du vinaigre, vous pouvez mettre du vinaigre à la place du citron. Et là, je vais mettre une cuillère de savon liquide Dawn. I'm going to add 1 teaspoon of Dawn dish soap. Je vais juste verser le liquide just like this. I'm just going to put the liquid just like this. Very simple. And now we're going to start scrubbing. Là, on va juste bien frotter. This is something I do every day, every single day. Je fais ça tous les jours après avoir préparé. Vous pouvez aussi utiliser cette trousse de nettoyage de Women. You can also use this cooktop cleaning kit de Women. Vous avez pratiquement tout ce qu'il faut pour nettoyer votre plaque en verre. You have everything you need to clean your glass stove in that kit. So here I'm going to be using a razor to clean my stove. Je vais utiliser un grattoir pour bien enlever toute la saleté. Donc voilà comment on l'utilise. Vous devez l'utiliser de manière parallèle. It has to be parallel. The razor has to be parallel to your stove. Just like this. So scrub, frottez bien pour enlever tous les résidus, les nourritures brûlées sur votre plaque. Thank you.
I'm adding a little bit more baking soda. Je rajoute encore un peu de bicarbonate de soude et quelques gouttes de citron. I'm adding a little bit more baking soda and lemon juice. Then I'm going to scrub again. So I'm repeating the same step one more time. Look at this. Look at how shiny it already is. Regardez à quoi ça ressemble déjà. Là, vous devez passer une serviette microfibre. Là, je suis avec un essuie-tout. Use a paper towel to dry your stove. Utilisez un essuie-tout pour bien sécher votre cuisinière, votre plaque. Regardez comment est-ce que ma plaque de cuisson brille. Vous devez être capable de voir votre réflexion en fait. You need to be able to see your reflection on the glass stove. Look how clean and shiny it is. It's clean, well disinfected, and shiny. This is how it should be looking like. So thanks for watching. I hope you liked the video. Don't forget to like. Don't forget to like, to comment, and if you're new, to subscribe. Thanks for watching. Until next time. Bye-bye.